Hôtel à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de coup d'État, de transition, des types de coups d'État et des transitions aimées et des transitions mal aimées. Il y a le ministre Abdoulaye Diop nous a défini, donné la définition de coup d'État. En fait, il n'y a pas que le coup d'État militaire. Et je suis d'accord avec lui. Ça, c'est ce que Emmanuel Macron ou Joe Biden ne connaissent pas. Eux, ils ne connaissent pas ce que c'est que le coup d'État, en fait. Ils ont une définition très restrictive de ce qu'on appelle un coup d'État. Pour eux, un coup d'État, c'est lorsque les militaires prennent le pouvoir. Mais le président Laurent Gbagbo nous a défini, donné un autre type de coup d'État, le coup d'État institutionnel, dont lui-même, Laurent Gbagbo, a été victime, dont la Côte d'Ivoire a été aussi victime. Parce que Laurent Gbagbo n'est pas parti à la haie comme ça, ça a été un coup d'État. Et le troisième mandat d'Alassane Ouattara, ça a été aussi un coup d'État. Mais ils ne veulent pas voir ça. Donc, il y a le coup d'État militaire, comme celui qui est le coup d'État qu'il y a eu au Burkina Faso, au Mali et au Niger, qui sont en fait, en réalité, des coups d'État révolutionnaires, parce qu'il y a deux types de coups d'État militaires. Il y a le coup d'État militaire révolutionnaire et il y a le coup d'État militaire normal. Parce que le coup d'État militaire révolutionnaire, c'est celui qui fait que, quand il y a le coup d'État, la population sort pour soutenir les auteurs du coup d'État. C'est-à-dire que la population, elle, ne veut plus du président qui est là, et donc elle pousse les militaires à prendre leurs responsabilités. C'est le cas du Mali. Les gens ont manifesté pendant plusieurs mois. Tous les vendredis, il y avait une grande manifestation pour dénoncer le comportement de Ibeka et pour voir comment il faut faire pour le faire partir. Et c'est là qu'Assimi Goïta a fait son premier coup d'État. Ça, ce n'est pas un coup d'État en tant que tel, mais c'est un coup d'État révolutionnaire. Mais il y a les coups d'État purement militaires, comme celui qui vient de se passer il n'y a pas très longtemps, au Gabon, ça c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, mais purement militaire, pour les intérêts personnels. Même si on dit, le président Nguema, aujourd'hui vous dit, moi je veux, je ne vais pas prendre le salaire de président. Bon, on s'en fout, il a beaucoup d'argent, il est milliardaire.
Donc ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est de la poudre aux yeux. Le vrai problème des Gabonais, c'est la base militaire française, c'est le franc CFA. Quand tu touches à ça, là tu rentres dans le domaine des coups d'État révolutionnaires. C'est le cas du Niger. C'est le cas du Burkina Faso, avec Traoré. Damiba a fait aussi un coup d'État qui était révolutionnaire, mais qu'il a vite renversé, transformé en coup d'État traditionnel. Coup d'État occidental ou à l'occidental. Parce que là, quand tu fais ce coup d'État, ton seul but, c'est plaire à l'Occident. Ce n'est pas plaire à ton peuple. Ce n'est pas servir ton peuple, c'est plaire à l'Occident. Ça, c'est un coup d'État traditionnel. Le coup d'État ordinaire, j'allais dire. C'est le meilleur mot d'ailleurs. Donc, nous avons un coup d'État militaire, mais dans le coup d'État militaire, il y a le coup d'État révolutionnaire et il y a le coup d'État ordinaire. Le coup d'État ordinaire, c'est lorsqu'on prend le pouvoir pour satisfaire les intérêts de ceux-là qui nous ont colonisés, nous ont pris en esclavage. Et il y a des gens qui font un coup d'État militaire qu'ils transforment très rapidement en coup d'État ordinaire. Comme le Gabon, c'est un coup d'État révolutionnaire, puisqu'on a vu les populations sortir dans la rue, et une semaine plus tard, on ne voit plus rien. On constate tout simplement qu'il maintient les bases militaires françaises. Donc, pour lui, la question de la souveraineté, la liberté, l'indépendance de son peuple, ça ne le concerne pas. Même si le grand boulevard, là où chaque année l'armée gabonaise organise le défilé militaire, appartient à la France, ils doivent louer ça à la France, ça, ce n'est pas son problème. Lui, ce qui compte pour lui, c'est faire le cinéma, le m'as-tu vu? Bon, écoutez, moi, je ne vais pas prendre mon salaire de président alors qu'il est milliardaire. On s'en fout, ça ne change rien. Mais en dehors de ça, il y a les coups d'État institutionnels, comme le coup d'État d'Alassane Ouattara. Ça, pour son troisième mandat, c'est un coup d'État institutionnel. Il y a le coup d'État institutionnel au Tchad. Et là, c'est même deux coups d'État. C'est-à-dire qu'il y a le coup d'État institutionnel qui est organisé par Kaka Déby, et il y a le coup d'État de la France qui vient adouber Kaka Déby, qui vient l'imposer au chef d'État de la sous-région. Donc, vous voyez, je vois là trois types de coups d'État. Coup d'État militaire, qui se divise en deux formes de coup d'État, et il y a le coup d'État institutionnel, mais il y a aussi donc le troisième coup d'État, le coup d'État étranger. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent imposer un président. Le cas le plus patent, c'est celui de la Libye. C'est un coup d'État étranger qui est venu détruire Kadhafi, chasser Kadhafi du pouvoir. Et puis ils ont mis la personne qu'ils voulaient. C'est le cas du coup d'État contre Laurent Gbagbo en 2011, puisque c'est la France et les États-Unis qui sont venus enlever Laurent Gbagbo pour placer Alassane Ouattara. Ça, c'est un coup d'État militaire étranger. Là, il y a même, quand je dis étranger, mais il y a même, c'est le coup d'État international, puisqu'il y a l'Organisation des Nations Unies. Vous vous souvenez le rôle qu'a joué le fameux Choice, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Ça, c'est un coup d'État international, coup d'État onusien. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de coup d'État. Il y a des pays en transition. Il y a des transitions qui sont aimées et des transitions qui sont mal aimées. Comme la transition en Libye, puisque c'est un coup d'État de l'OTAN, à ce moment, ben, on doit l'aimer. On oblige tout le monde à l'aimer. C'est comme la transition aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On est toujours en transition puisqu'il y a un coup d'État. Le coup d'État institutionnel qui lui a permis de prendre le pouvoir pendant 3 ans. Donc, pendant 5 ans plus tôt. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de coups d'État. Maintenant, Emmanuel Macron a dit que les pays du Sahel sont des États faillis.
Ce monsieur, il ferme pas sa gueule. Oui, c'est incroyable. Vous savez, quand on est bête, en principe, il vaut mieux se taire parfois pour ne pas trop attirer l'attention des gens sur vous. Il y a des gens qui sont célèbres. Quand on était à l'école, là, il y avait deux types de célébrités. Deux. Il y a des gens qui sont célèbres parce qu'ils sont très intelligents. Chaque fois quand le professeur pose la question, si c'est lui qui doit répondre, la réponse est toujours juste. Vous voyez, quand vous faites des devoirs, il a toujours la meilleure note. Il est célèbre. Dans la classe, tout le monde l'aime parce que bon, il est intelligent. Mais il y avait aussi d'autres types de célébrités. Des célèbres par leur idiotie. Parce que quand on pose la question, dès que le professeur l'indexe seulement, toi là, X, Y, répond à la question, tout le monde éclate de rire. Même si vous n'allez pas rire parce que le professeur va vous taper dessus, il ne sera pas content. Mais vous savez déjà que non, là, cette fois-ci, c'est la catastrophe. Le professeur est obligé de se tourner, de vous tourner, présenter le dos pour rire en face du tableau où il sort de la classe pour éclater de rire, pour ne pas que vous puissiez. Voyez. Donc, il y a des gens comme ça. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Dès qu'il ouvre sa gueule, ah, c'est le désastre. C'est dit que si vous n'avez pas envie de rire, vous allez rire. Vous allez rire jusqu'à pleurer. Parce que c'est un président français qui est aussi nul. C'est jamais vu. Il y a des États faillis. Parce qu'il y a le terrorisme dans le Sahel. Mais Macron oublie de vous dire que c'est lui, et c'est son frère, c'est son parent, c'est son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui a mené le terrorisme dans le Sahel. Il oublie de vous dire ça. Vous voyez à quel point il est vraiment ridicule. Lui, il vous parle de la fin sans parler du commencement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un commencement, mais vous voyez seulement la fin. C'est comme une fumée sans crâne. Il n'y a rien qui brûle, mais il y a la fumée. Vous voyez, c'est ce qu'Emmanuel Macron imagine. Il y a le terrorisme, mais on ne sait pas d'où ça vient. Oh non, ça, c'est venu du ciel. C'est lui qui amène le terrorisme. Ce sont ses parents qui amènent le terrorisme. Maintenant, il accuse les Africains. Non, vous êtes des États faillis. Vous voyez un peu comment ça. Ce n'est pas nous, les Africains, qui avions amené le terrorisme. Le terrorisme n'est pas un terrorisme naturel comme celui qu'on a vu, par exemple, 9-11 aux États-Unis. Là, le pays est attaqué. Et c'est l'acte le plus fort du terrorisme qui a existé dans le monde. Dans l'immédiat, ils ont fait 3 000 morts en quelques secondes. Vous voyez? Mais est-ce qu'on a dit que les États-Unis étaient un État failli? Monsieur Macron. Vous voyez? C'est-à-dire que vous dites, mais attendez. 9-11, j'étais à New York. Vous voyez? J'ai eu l'occasion de travailler même dans cet immeuble-là. Et quand c'est tombé, Dieu merci, le jour-là, je n'étais pas là. Mais écoutez, 3 000 morts. New York, Washington, ils ont même attaqué le Pentagone. Ce qu'on entend, vous entendez parler du Pentagone, le ministère américain de la Défense. Un ministère qui contrôle 830 bases militaires à l'étranger. On a osé l'attaquer. Mais personne ne dit que c'est un État failli. Vous voyez pas qu'il y a un problème là, Macron, les concepts, comment on les utilise, État failli. Vous dites que dans le Sahel, le Mali, c'est un État failli. Le Burkina, c'est un État failli. Le Niger, c'est un État failli. Ah bon? Oh, très bien. Le Tchad n'est pas un État failli, hein. Non. Oh, non, non, non. Oh, comme ils ont près de 9 000 soldats là-bas, ce n'est pas un État failli. Mais le Mali, les autres, c'est des États faillis. Vous avez vu ce qui s'est passé avec, comment on appelait ça là? Charlie Hebdo. On a attaqué.
la France. Les chefs d'État africains sont venus pleurer. Ils pleuraient, roulaient par terre, ils pleuraient. Ils pleuraient parce que leur mère est morte. Mais est-ce qu'on avait déjà dit que la France était un État failli? Et ces coups d'État, ces actes de terrorisme, ces attaques-là, n'avaient pas été diligentés par un autre pays. Ce sont des terroristes qui s'organisent pour attaquer une puissance. On ne dit pas qu'ils sont faillis. Chez nous, ce n'est pas les terroristes qui se sont organisés pour nous attaquer. Parce que, bon, nous, on a dû commettre quelque chose qui ne les a pas plu. Non, chez nous, ce sont eux qui les organisent. En fait, ce n'est même pas un terrorisme naturel, c'est un terrorisme d'État. Parce que ce sont des États qui nous attaquent. C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, tous les pays de l'OTAN qui nous attaquent. Et eux, ils se moquent de nous. Nous sommes des États faillis. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Aujourd'hui, au Soudan, là, vous voyez le Soudan? La guerre qu'il y a au Soudan, là. Une transition qui s'est transformée en guerre civile. Les Soudanais étaient dans leur transition tranquille. Les Américains sont venus créer la guerre civile. Comme ils ont tenté de créer la guerre civile en Éthiopie, avec le Tigré. La Somalie, les Somaliens, les pauvres Somaliens étaient dans leur misère, tranquille. Eh bien, les États-Unis sont venus mettre le feu là-bas. Ils ont mis le chaos. Parce que les Somaliens, à un moment donné, ne voulaient pas voir les Américains venir les mater. Et ils ont mis le feu. Jusqu'aujourd'hui. Le gouvernement n'est pas en Somalie. Le gouvernement est au Kenya. Et ça, c'est des transitions normales. Ce n'est pas des États faillis. Il y a un problème avec le vocabulaire de certains dirigeants de l'Occident. Il y a un grand problème. Un très, très grand problème. Parler de État failli. Vous voulez nous critiquer, État failli. Alors qu'on est en train de vous combattre. Vous avez vu que Barkhane est parti, depuis que Barkhane a quitté le Sahel, hein, le grand Sahel, le petit Sahel, parce que le grand Sahel, là, il commence depuis le Sénégal jusqu'en Somalie. C'est ça qu'on appelle le Sahel. C'est pratiquement le golfe de Guinée. Mais regardez, dès que la France a quitté le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il y a une meilleure coordination. Et maintenant, vous regardez les vidéos, mais on attaque et on détruit. Et puis, c'est là qu'on comprend que, mais ils avaient formé beaucoup de terroristes. Hein. Ils étaient nombreux. Parce que tous les jours, on fait qu'on tuait, mais ils sont toujours là. Ils font que se multiplier. Parce qu'ils étaient très nombreux. Et la destruction, on est en train de nous détruire. Le peu de forêt qui restait dans le désert, là, les petits arbres, là, ils sont en train de tout détruire. Parce que c'est là que les terroristes se cachent. Et on ne peut pas protéger, pour protéger la vie, on est obligé de les descendre tous là-bas avec les arbres. Et eux, ils viennent nous donner des leçons sur le contrôle de l'environnement. C'est un problème. Bref, vous voyez, le coup d'État, il n'y a pas que le coup d'État militaire. Et le coup d'État militaire, donc coup d'État militaire, il y a deux types de coups d'État militaire. Il y a le coup d'État militaire révolutionnaire, qui est soutenu par le peuple, le coup d'État militaire ordinaire, qui n'est pas soutenu par le peuple, qui n'est là que pour servir les intérêts occidentaux. Ensuite, il y a le coup d'État institutionnel, comme celui d'Alassane Ouattara, que je venais de décrire tout à l'heure, et il y a le coup d'État militaire de l'OTAN, et le coup d'État militaire de l'Organisation des Nations Unies. Eux aussi, ce sont des grands poutistes, hein. Eux, ils s'attaquent, ils rigolent pas. Vous voyez, et ils vont partout avec le passeport de l'ONU. Ouais, ça les permet d'aller partout pour aller détruire, tuer. Ce sont les Nations Unies qui ont livré Patrice Lumumba aux deux criminels belges qui l'ont assassiné et pris son corps pour mettre dans l'acide. Et d'abord, ils ont pris la précaution de prendre chacun l'organe qui l'intéresse, qui la donne, qui ceci, qui voilà. Les Nations Unies et les États-Unis. Donc tout ce qui est uni là, il faut éviter ça.
Nations Unies, États-Unis, ce sont des voyous. Quand vous voyez plusieurs États-Unis comme ça, c'est des voyous. Ce sont eux qui ont livré Patrice Lumumba. Blaise Compaoré n'a pas fait le coup d'État sans, comment dirais-je, avec l'accord de François Mitterrand. C'est un coup d'État français, étranger. C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État, le gangstérisme d'État. Et maintenant, on passe à des transitions, plusieurs types de transitions. Les transitions qui sont contrôlées, les transitions qui sont aimées, les transitions qui sont détestées. Et on veut nous faire croire qu'il y a des transitions dans des États faillis parce qu'il y a le terrorisme que eux ils ont amené. Alors que chez eux-mêmes, il y a le terrorisme que nulle personne n'a amené, qui est la conséquence de leur politique dans les pays arabes. C'est ça. Là, il va être la conséquence de la politique américaine dans les pays arabes. Des terroristes en France, en Allemagne. En Allemagne, on a liquidé toute une équipe d'Israël. J'allais oublier. Le Hamas. Ils ont tué plus de 1000 personnes. 1400 exactement. Ils ont attaqué Israël. Vous allez me dire qu'Israël est un État failli? Il y a quelque chose avec ces gens, ces Occidentaux. Il y a quelque chose. Ils nous ont appris leur langue, ils nous ont appris leurs mots, hein, mais eux-mêmes, ils ne savent pas les utiliser et c'est dommage. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blanc, chinois, arabe, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.